Eh ben, on se retrouve. Gulut mange les zombies qui traînent. Maintenant, je pense, tu ferais un zombie vraiment délicieux. Et on se retrouve dans Polygame, on est toujours sur Orson Extramas, et on va attaquer le troisième boss de ce quartier des assemblages, qui n'est autre que Glut. Uther contre Glut. C'est un espèce de gros chien. Je combattrai avec honneur. Si tu veux. Ça, pour le moment, on va attendre. Et ça aussi. Dommage, j'aurais préféré un peu plus de mobs. On va lui dire bonjour quand même. J'ai demandé aux zombies s'ils voulaient te manger la cervelle. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? La malbouffe, très peu pour nous. Ok. On va poser ce secret directement. Et donc Glut, son pouvoir, il fait passer les points de vie de tous les serviteurs à 1. Ce qui est un peu chiant. Sinon, quoi dire sur ce boss dans Extramas? C'est un chien qui invoque des zombies. Et il aime bien manger ses propres zombies, en gros. Et il faut éviter de se faire... d'en faire trop pop. Pratique ce secret. Hop là, on va virer son arme parce que j'aime pas son arme. Travail terminé. Je n'ai pas d'arme, c'est bête. Alors... pas sous ma surveillance. On va poser le secret de toute manière. Un point de vue par-ci, un point de vue par-là. Pas sous ma surveillance. Voilà. On était déjà quasi tous à un point de vie, mais c'est pas grave. On continue. 3 points de dégâts, on pioche une carte. Ou alors, on invoque des mobs. La lumière. Je suis partisan des mobs. C'est ma responsabilité. Au rapport. Ouais, donc l'idée c'est vraiment d'avoir que vous me rejoindrez tous dans la mort. Si tu veux. Si l'adversaire prend le contrôle, donc on va attendre. Bon, ça peut être utile ça. Et du coup, bon, on va continuer notre petite ascension. Enfin, dégringolade de ses points de vie. J'aimerais ne pas attaquer ça, car je voudrais d'abord qu'il fasse tomber ses points de vie à 1. C'est ma responsabilité. Au combat ! Quoi ? Ah. Là, par contre, c'est chiant. Très chiant même. Sachant qu'il va... dans tous les cas, je les perds tous. Attendez, 4. C'est ma responsabilité. 2. Au combat. 1. Voilà, comme ça je peux garder mon limon. Et... on va mettre la provoque. Et on continue. Enfin, on continue. Il continue. Ah. 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 Zut. Je suis quasiment certain qu'on peut obtenir un haut fait en perdant contre Glut.
Oui, probablement sur le raid, mais là on est sur Hearthstone. L'extermination, c'est ma grande passion. À moins que ça ne soit de glacer le sang. Merci pour les 5 points de vie, Glut, c'était cool. Qu'est-ce qu'on fait? Il va juste réinvoquer une provoque en fait. On est 8. Quatre points de vie. Rejoignez-nous ou mourrez. Ah. Faut que je pense à ce détail-là. Au rapport. Faut vraiment que j'y pense. Bon, ça va être dur de lui faire descendre la 4. C'est vrai qu'il me met 7 là. Oh là là. On va faire ce gaffe. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Alors, ça, déjà. Invocateur mental TC-130 enclenché. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que... Regarde. Au rapport. 4. Pour la justice. Et de 4, victoire. Attention. Voilà. Ah non ! Qui va manger les derniers zombies maintenant ? Personne. Voilà pour cette vidéo sur Glut. On se retrouve tout de suite avec le dernier boss du quartier des assemblages qui n'est autre que Thaddeus. A tout de suite.